Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense qu'elle est très très attendue. C'est un haul my LPS teckel, donc il s'agit ici de vous montrer tous mes teckels et non pas tous ceux qui existent car je suis très loin de tous les avoir. On va passer donc des types 1 au type 2 ou l'inverse et on commence de suite sans plus tarder. Et finalement, on commence par ce type de forme, donc ce sont les teckels que j'aime les moins. Je pense que c'est le cas pour un peu tout le monde, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu plus gros, enfin ils sont un peu étranges ces chiens-là. Donc celui-ci est mon tout premier teckel de cette forme. Je l'ai appelé Daisy, je la trouve pas hyper jolie en fait, elle a des yeux en autocollant, je trouve ça un peu dommage. Et je l'ai mis en couple avec Barnabé, qui est ce LPS là que j'ai eu il y a assez peu de temps au final. C'est un teckel aussi qui est assez simple en réalité. Je le trouve assez mignon par contre comparé à celle-ci. Ensuite, toujours du même type, il y a celui-ci que j'aime un peu plus particulièrement que les deux autres. Celui-ci s'appelle Corneille, en référence à Corneille et Bernie, vous savez, le dessin animé. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup ce dessin animé et je me disais que c'était bien d'avoir des prénoms comme ça de dessins animés de notre enfance. Et je l'ai mis avec celle-ci qui est ma préférée, donc c'est la dernière de cette forme que j'ai. Elle s'appelle Kirlia, c'est une femelle qui est violette, un peu couleur myrtille. Je la trouve hyper hyper jolie par contre, celle-ci est vraiment ma préférée de tous les teckels de cette forme. Et ensuite on passe aux teckels de cette forme qui sont du coup, comme je disais, les préférés je pense de beaucoup de gens. Ça fait partie des formes populaires et c'est vrai qu'ils sont assez jolis, faut le dire. Donc j'aime bien leur petit corps assez long comme ça, enfin c'est vraiment original. Donc celui-ci est mon tout premier teckel que j'ai eu il y a bien longtemps. Je me rappelle qu'il venait avec une salamandre orange, donc je l'ai eu neuf lorsque j'étais enfant. Et le mien s'appelle Saphir, donc comme la pierre de Saphir qui est bleue. Mon deuxième teckel a été celle-ci qui s'appelle Cerise. Je l'aime beaucoup, ça a été pendant assez longtemps un de mes chiens favoris. Donc je l'ai eu vraiment assez peu de temps après celui-ci. Elle venait avec le Monopoly, je les ai mis d'ailleurs ensemble. Ensuite j'ai celle-ci qui est vraiment super belle, beaucoup de gens l'adorent, elle a également des yeux un peu vert sapin comme ça, et je l'ai appelée Félicité. C'est un LPS de la Saint-Valentin, donc elle a les cœurs ici sur le corps et puis aussi dans les yeux. J'avais mis celle-ci avec celui-ci que j'ai eu assez récemment également, il s'agit de Balisto. C'est un LPS qui est très vieux, qui a l'aimant rouge, et pour moi son mécanisme est cassé malheureusement. Après je trouve pas que ce soit si dérangeant que ça, mais c'est vrai que je le trouve assez sympa, je le trouve tellement simple en fait. Ensuite j'ai deux LPS qui se ressemblent beaucoup, enfin je trouve, je ne sais pas vous, mais je trouve que leur couleur est assez similaire et elles ont toutes les deux des sortes de griffes, je sais pas trop ce que c'est, sur les oreilles. Ça fait pas longtemps que je l'ai appelée Zara. Et celle-ci je l'ai appelée Amy, j'adore ses yeux bleus, je trouve ça vraiment trop beau. Je préfère celle-là quand même à celle-ci, je trouve que les yeux roses ça fait un peu peur, enfin ça fait un peu étrange. Je les ai mis respectivement avec Tournicoton et Jupiter. Tournicoton est l'une des mascottes de Avapi. Donc c'est un teckel qui est vraiment très recherché, il s'agit d'un teckel tatoué qui est vraiment magnifique, qui a des papillons un peu partout. Le mien est authentique et franchement je l'adore. Ce n'est pas mon teckel préféré, mon teckel préféré c'est celui-ci qui est Jupiter. Je l'ai appelé comme ça pour sa couleur qui je trouve est un peu rouge. Et ses yeux bleus sont vraiment magnifiques, j'adore ses oreilles, etc. Il y en a beaucoup que j'aimerais avoir, notamment un qui est plutôt beige avec des sortes de petits trucs sur le fond. Enfin lui je voudrais vraiment l'avoir. Et ensuite le tout dernier teckel c'est celui-ci que vous avez vu dans mon dernier haul, ça fait que quelques jours que je l'ai. Donc pour l'instant elle est toute seule, c'est une femelle pour moi que j'ai appelée Brune. C'est bien un prénom de fille, je trouve que c'est un très joli prénom et puis comme elle est plutôt foncée je trouvais que ça pouvait que bien lui aller. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense que oui étant donné que c'est une forme quand même que beaucoup de gens aiment. Et c'est vrai que moi aussi ce sont des pet shops que j'aime beaucoup au niveau des chiens. Je les préfère largement aux épagneuls ou encore aux dogs argentins. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense pas qu'elle ait été trop longue. On se retrouve hyper vite pour une nouvelle vidéo. Et ce sera d'ailleurs le débrief qui arrive samedi prochain, le débrief de mon dernier haul qui est sorti il y a quelques jours. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !